mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre encore une petite astuce simple, facile mais très accessible pour tout le monde comme d'habitude. Sachez qu'avec le passage du temps, notre peau perd de son élasticité, de son collagène et ce qui se traduit par un manque d'hydratation et de ce fait l'apparition des rides, des lignes d'expression. Pour éviter que cela n'arrive prématurément sur votre peau, que votre teint ne vieillisse et ne devienne terne trop vite, il est primordial de prendre soin de votre peau au quotidien, aussi bien au niveau interne qu'externe. Pour cela, outre une alimentation saine, une excellente hydratation à base de liquides et de crèmes qualifiées, vous pouvez faire appel à des produits naturels aux propriétés rajeunissantes, antioxydantes comme par exemple l'aloe vera. Cette plante est considérée comme un véritable miracle pour notre beauté, mes amours. Nombreux sont les bienfaits que ceci peut apporter en termes d'esthétique. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner. Cliquez sur la clochette de notification, d'accord, pour être au parfum de tout ce que je publie sur YouTube. Et bien sûr, likez et commentez. Alors, n'oubliez pas que d'utiliser l'aloe vera pour les rides est une bonne aide pour hydrater votre peau et prévenir le vieillissement prématuré. Mais en plus de cela, vous devez suivre un régime de soins basiques pour que la santé de votre peau soit au top et pour éviter l'apparition des rides si redoutées. Ainsi, il sera important pour vous de nettoyer la peau de votre visage au quotidien avec des produits adaptés à votre type de peau. Faites attention à l'alimentation, vous devez inclure des aliments riches en vitamine C et en antioxydants. Vous devez boire au moins 2 litres d'eau quotidiennement. Évitez les changements brusques et soudains de poids qui provoquent une perte d'élasticité de la peau. Et bien sûr, protégez votre peau du soleil en utilisant des crèmes anti-soleil avec des facteurs de protection élevés. Évitez des substances nocives telles que le tabac, les drogues et tout le reste. Et bien sûr, n'abusez pas des rayons UV artificiels. Alors, maintenant, pourquoi nous avons choisi l'aloe vera pour les rides aujourd'hui? Sachez que l'aloe vera offre de puissantes propriétés anti-âge pour la peau. À la différence de bien d'autres produits naturels, celui-ci est capable d'atteindre les couches les plus profondes de votre peau en lui apportant tous les nutriments et vitamines nécessaires pour éviter la sécheresse et la formation des rides prématurées. De plus, ses composants antioxydants permettent d'agir contre l'action des radicaux libres, responsables en grande quantité du vieillissement de la peau. Et pas seulement, l'aloe vera est également parfait pour stimuler et augmenter la production de collagène et d'élasticité du derme, ce qui est essentiel pour garder le derme toujours jeune, sain et bien radieux. Alors, pour votre masque anti-ride à l'aloe vera et au citron et à la pâte dentifrice, rien de mieux que de combiner le pouvoir antioxydant de l'aloe vera avec les propriétés rajeunissantes qu'apporte le citron pour la peau. Ce fruit citrique est très riche en vitamine C, une substance de base pour prévenir les rides sur la peau et nourrir le derme en profondeur. Si vous voulez tester cette magnifique fusion, suivez les étapes que je vais vous exposer tout en dessous. Cela va tout simplement être un excellent masque anti-rides. Pour cette préparation, vous aurez besoin de ceci. 1/4 de feuille d'aloe vera, une toute petite quantité de dentifrice et un demi-citron. Extrayez et mélangez le tout de cette façon, ça se conserve bien. Vous pouvez laisser jusqu'à 7 jours au frais, mes amours. Appliquez sur les parties du corps qui sont flétries, ça va permettre une meilleure circulation sanguine, de ce fait booster immédiatement la peau, hein, travailler en profondeur comme on l'a dit plus haut. Pour ceux qui sont sensibles au dentifrice, je vous conseille de mettre une toute petite noisette, hein, de la taille d'un petit pois. Bien sûr, je vous recommande toujours du dentifrice naturel sans fluor, mais si vous ne voulez absolument pas, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi est-ce que je vous demande de mettre du dentifrice? Tout simplement parce que ça active tout ça et ça tend la peau plus rapidement. D'accord? La solution peut prendre 3 à 4 semaines pour avoir de meilleurs résultats, mais avec du dentifrice, vous avez les résultats en 2, 3, voire 4 jours. Massez bien la zone à travailler, passez la nuit avec et refaites ça jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez le contrôle sur votre peau. Ça peut s'appliquer partout, hein, chez les femmes, vous qui avez la poitrine affaissée, le ventre flasque, les cuisses flétries, tout ça. Pour les hommes, c'est pareil pour vous. Donc, en application locale, ceci est excellent. Faites ça jusqu'à ce que vous constatiez que vous avez repris le contrôle sur votre corps. Une fois que vous aurez essayé ceci, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Une fois que c'est fait, vous laissez poser pendant la nuit simplement, hein, et le lendemain matin, vous allez rincer.
pas. Donc vous pouvez appliquer ça tous les jours pendant le temps qu'il faut. Voilà. Donc c'est bon. Donc mes chéris, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et surtout sachez que je vous porte dans mon cœur. Bisous, bisous.